Salut tout le monde, c'est Yann, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Let's Play sur Plan Coaster. Et ben, du coup, ben, je lance du coup la partie, et donc avec ceci, le générique. Nous voici, Gordon est ultra efficace dès que j'arrive, c'est super. Et ben, du coup, ben, dans l'épisode précédent, oui, nous n'avons pas encore terminé ce fichu toit sur Psychola. Et que voulez-vous, c'est un let's play, ce n'est pas un truc assuré en mode best-of. Donc du coup, ben, on va continuer, hein. On n'a pas 15 000 solutions. En même temps, le toit, on va pas le laisser comme ça. C'est une œuvre, c'est une œuvre d'art. Il faut que ça soit beau, il faut que ça soit beauty. Et donc du coup, bah, on continue sur. Je n'ai pas validé. Pourquoi tu crois que j'ai validé? Je n'ai pas validé. Ça c'est incroyable. Des fois le jeu fait ce bug. Je cliquais bien sur la flèche. Et lui, il croit que je clique sur le bouton valider qui se trouve juste ici. Non, je n'ai pas validé. Je. Compris. Je. Non, mais parce que. Je veux bien que tu aimes faire de la merde. Mais là, je. Tu fais que de la merde. Donc, du coup. Ah oui, merde, la rotation, j'aurais dû le faire avec. Parce que le problème, c'est que comme je l'ai montré dans l'épisode précédent, la connerie de faire sans rotation, c'est que du coup, effectivement, du coup, ça superpose sur le dessus. Écoutez, tant pis, hein. Je vais faire avec. De toute façon, on n'est pas non plus sur la forme magnifique de l'art en lui-même. Donc du coup, je continue, le but étant effectivement... comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, de boucher le plus de trous possible avec le peu d'argent qui me reste du coup à la trésorerie de ce parc magnifique. Bon sang. Quand il s'agit de parc d'attractions, je gère catastrophiquement l'économie du parc, enfin la gestion de la trésorerie, alors que quand il s'agit d'un parc zoologique, tout va bien. Mais peut-être parce que, vu que c'est un jeu planète, et du coup, ben, j'ai appris de mes erreurs passées, et peut-être aussi parce qu'à l'inverse, en fait, de Planet Coaster, on ne construit pas les décors, peut-être que j'ai besoin de moins de choses à acheter, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va bientôt terminer ce psycho-là, je dis bien bientôt. Enfin, je l'espère qu'on va le terminer, parce que... Parce que bon, ça fait quand même un moment, et j'imagine que vous, de votre côté, vous en avez peut-être un peu marre de voir que je fais que les trous. Mais de toute façon, regardez, il en reste pas beaucoup. Enfin, si, il en reste quand même beaucoup. Mais on va bientôt le terminer. Je pense à la fin de cet épisode, on a fini... de cette partie du toit, parce que le toit n'est pas fini, il y a encore des choses à faire. Et il y a aussi les murs à faire par la suite. Il faut que ça soit cohérent. Il faut de la cohérence, et ça, la cohérence, je vous le montrerai peut-être au prochain épisode. Si j'ai le temps, bien entendu, de finir ce magnifique toit. Alors ce serait peut-être mieux comme ça, voilà. Comme ceci. On peut tourner comme ça. Voilà. On va mettre bien au milieu. Et on va les remplir, ces espaces. Un petit peu en tournant comme ça. Parfait, et de l'autre côté. Comme ceci. Et on répète l'opération.
À chaque fois. En fait, je quitte le mode dépassement complexe, en fait, parce que c'est plus simple pour moi après de l'aligner sur le toit, en fait. Et après, je réactive le dépassement complexe. Donc, c'est des fois des trucs, je conseille de faire, c'est de des fois switcher de mode de construction. Mais assez souvent. Pas tout le temps non plus, mais assez souvent quand même. Parce que sinon. Voilà quoi. Sinon, ça serait peut-être. En fait, c'est pas que ça serait moche si on ne le fait pas. Et je n'ai plus d'argent, n'est-ce pas? C'est pas que ça serait moche, mais c'est juste que ça se verrait que la technique utilisée est trop simpliste. Quand on regarde les constructions qui se fait le plus souvent sur des livres qui volent, mais je n'accepte pas ça, pas ça, enfin des livres qui traversent les murs. Je n'accepte pas des livres qui traversent les murs, voyons. Bon, tant pis. On a un livre qui traverse les murs. On a du feu qui traverse les murs. Le feu de cheminée? Mon Dieu, il y a un incendie sur cette attraction. Non, c'est du décor, ne vous inquiétez pas. Il y a aussi de la fumée qui traverse les murs. On a plein de choses qui traversent les murs. On va laisser augmenter un peu l'argent, voire même beaucoup l'argent. Si possible, quelque chose qui va jusqu'à 1000 dollars. 1000 dollars, ce serait pas mal si pour continuer le toit. Mais je ne doute qu'effectivement. Avec cette variation bizarre, est-ce que j'ai lancé... Oui, j'avais lancé des recherches, effectivement. Ça en est où? C'est presque terminé, la recherche. La recherche sur les décorations. De nombreuses boutiques sont prises d'assaut. Bah, c'est super s'ils sont pris d'assaut. Un projet de recherche est terminé. Hey. À moi, là... Eh ben, qu'est-ce qu'on a débloqué, du coup? On a débloqué une nouvelle région. Alors, qu'est-ce que ça nous donne exactement comme item? Alors, je pense que 600 dollars, c'est juste parfait pour continuer le tour. Mais je veux d'abord voir exactement qu'est-ce qu'on a débloqué. Environnement, du coup, si je cherche, du coup... J'imagine, c'est juste ça, n'est-ce pas? C'est juste l'environnement. Mais est-ce que c'est aussi un nouveau thème, genre, par exemple... Non. Non, pas... Alors, nouveau thème, je crois que c'est thème fête. Exactement, ça nous a tout du coup débloqué tout ceci. Et ça, c'est le thème, le thème, l'environnement arctique qui nous donne, s'offre tout ceci. Donc, on a des objets en plus pour les décorations, mais des objets qui nous serviraient peut-être à rien. Bon, pour l'instant, je ne vais pas continuer de recherche, je ne vais pas faire de nouvelles recherches. J'ai assez d'argent pour continuer ce magnifique toit qu'on doit continuer. Forcément. Donc, continuons ce toit. Après tout, c'est ça l'exploit sur Planet Coaster. C'est montrer à quel point c'est fou, c'est pointilleux, c'est détaillant, c'est plein de détails qui font que ça va rendre joli. Bon, pour l'instant, côté mur, c'est vide. C'est plutôt côté intérieur que c'est joli, à cause des décorations que j'ai mis ainsi, un peu partout, mais. Côté extérieur, il y a encore des choses à faire pour que ça soit vraiment considéré comme beau. Et ben ces choses-là, c'est ce que je suis en train de faire. Déjà, je répare les trous dans le 3. Dans le 3, oui. Dans le 3. Dans le toit, pardon. Dans le toit, tout à fait. Donc du coup, dans le toit, c'est juste parfait. On a un livre qui dépasse, c'est merveilleux. C'est merveilleux en même temps. On n'est pas à la perfection de Disneyland, et en même temps Disneyland n'est pas une perfection non plus quand on voit l'état de leurs attractions. Au niveau maintenance, et je parle pas au niveau beauté, hein, parce que les mecs, ça va, c'est super, ils font tout pour que ça reste clean, mais pensez aussi à faire en sorte que les attractions fonctionnent, merde. Parce que ça, et pensez aussi que ça soit mieux géré aussi dans les files d'attente, merde. C'est incroyable. Bon, en même temps, je n'y suis allé qu'une seule fois à Disneyland Paris. Ça a été catastrophique. Je n'y retournerai plus. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Tant qu'ils n'ont pas compris qu'ils foutent. Parce que, en plus, le pire, c'est que quand tu leur dises, ils sont conscients de rien, en fait.
ils s'en foutent totalement que leur parc tombe en ruine. Parce que c'est le cas, parce que bon, tu le vois pas de côté extérieur, parce que c'est joli, c'est bien fleuri et tout ça, mais l'effet d'attente est horrible, les attractions ils tombent en panne tous les 5 minutes, excusez-moi, ça c'est un signe que ça tombe en ruine. Et il y a encore des millions de gens, en plus des millions et des millions de gens qui vont à des parcs dans des états pareils. Non mais les gars, faut arrêter de déconner. Il y a des parcs d'attractions, ils gèrent mieux que ça leur attraction. Je suis désolé, j'ai plusieurs fois à Europa Park, qui est un énorme parc extrêmement connu. C'est pas pour rien que qui reçoit le prix du meilleur parc de l'année 3 fois d'affilée. Hein. Je suis désolé, Europa Park gère vachement mieux leurs attractions que Disneyland, qui en ont rien à branler de leurs attractions. Franchement, ça sert à quoi de faire un parc d'attractions si vous ne faites rien sur vos attractions? Ça sert à rien. Ne faites plus de parc d'attractions. Fermez vos portes. Tout simplement. Enfin bref. Ce n'est que mon propre avis personnel, mais je pense que ça rejoint quand même de ce qu'on est censé attendre en général des parcs d'attractions. Un peu de respect envers les machines qu'on utilise. Je ne sais même pas pourquoi il ne veut pas. Qu'est-ce que... Non ! Mais non, mais... Putain, oh, il fait encore le bug d'avant. Il croit que je touche un truc, j'ai même pas touché un truc. Oh là là. Non, mais c'est... C'est une galère. Regardez, j'ai juste fait ça. J'ai cliqué là, et on est d'accord, j'ai cliqué là. J'ai pas tourné le cercle bleu, c'est n'importe quoi. Non, mais... Ce jeu me rendra fou. Et le pire, c'est que les développeurs, en ce moment, ils ont encore fait des mises à jour sur Planet Zoo, mais Planet Coaster, je sais pas pourquoi, d'habitude, c'est un jeu qui est encore joué par pas mal de monde, mais j'ai l'impression qu'ils ont tourné la page de Planet Coaster depuis qu'ils ont sorti Planet Zoo. Les développeurs n'aiment plus Planet Coaster. Je ne comprends plus rien. Allô, je joue encore à Planet Coaster. J'ai encore des choses à construire sur Planet Coaster. J'ai Iceland World qui avance petit à petit et que d'ici 2 ou 3 mois, vous allez pouvoir avoir un épisode des chroniques d'Iceland World parce que ça fait quand même un an que je bosse sur la troisième île thématique. Bon, je vais spoiler, c'est du western, voilà. Et je bosse un an sur du western, mais en même temps... Vous allez vite comprendre, une fois que vous aurez vu les chroniques d'Iceland World, le troisième épisode, pourquoi j'ai mis autant de temps à bosser sur ce truc, parce que c'est un truc de malade. Mais vraiment, c'est un truc de malade. Je vous le dis, je serais complètement fier de vous le présenter, mais à un point énormissime. Bon, en même temps, il y a aussi le fait que j'ai presque usé toutes les attractions du jeu, tout le fait que j'attends quand même des nouvelles mises à jour de Planet Coaster, mais comme les développeurs en ont rien à foutre hein, de Planet Coaster, ils sont plus maintenant sur les animaux parce que ils adorent maintenant les animaux. Bah, du coup, ouais, moi j'ai utilisé toutes les attractions, j'ai plus de nouvel type d'attractions pour faire des trucs vachement déconnants, quoi. Je n'ai plus d'idées du tout. Au secours. Je veux dire, Frontier Development, allô. Où sont les mises à jour? Il y a encore des joueurs qui jouent à Planet Coaster, ils veulent de nouvelles attractions. Il y a des nouvelles attractions qui sont fabriquées par les fabricants d'attractions. Rassurez-moi. Vous avez pas tout vidé quand même, là vous... Et en plus, niveau gestion aussi, il y a pas mal de trucs à niveau gestion. Vous l'avez même montré sur Planet Zoo, il y a des trucs pas mal là, de Planet Zoo qui peuvent être à reprendre pour Planet Coaster. Où sont-ils? Où sont-ils? Notamment les formes de graphiques avec des couleurs que j'aime bien, c'est-à-dire on voit carrément quel visiteur a
apprécié tel espace, est-il plus éduqué ? Eh ben, écoutez, ça serait pas mal pour la gestion de foule, pour pas mal de choses, pour Planet Coaster. Planet Coaster a aussi besoin de mise à jour. Ne pensez pas que à un seul jeu, vous n'avez pas fait qu'un seul jeu quand même. Rassurez-moi, Frontier Development. Enfin bref, de toute façon, vu le nombre d'abonnés que j'ai et le nombre de vues par épisode de Planet Coaster, je doute fort que Frontier Development se ficherait d'un gars de mon envergure. Donc du coup, ben, continuons à fermer les trous de ce toit. Ça prend forme, hein. Regardez quand même. Ça prend forme. Ou presque, ça fait toujours drôle de notes, mais vous allez voir, ne vous inquiétez pas, tout sera merveilleux. Tout sera magnifique, ma jolie. Comme le dirait Christina Cordula. Non, j'ai déjà plus d'argent. J'avais quand même une marge de $600. Bon, on va encore accélérer le temps. Plutôt que de le mettre en pause à chaque fois que... Oh non, et en plus ça tombe au mauvais moment, j'ai besoin de thunas. Plusieurs vols ont été signalés. Non mais attendez, dès que Gordon depuis le début, il est inefficace. Ainsi que son collègue, je ne sais plus quel est le nom de son collègue, mais... Ah, bah c'est vite réparé, dis donc. Tellement vite que du coup toute la foule qui vient de sortir... Eh ben ils vont tous aller... Retourner sur Instant City, tout simplement. Ah, et du coup, ça se vide ici. Parce que... L'attraction... Non, l'attraction est vieux, n'est-ce pas? Vieillissant, exactement. Mais, à force de laisser vieillir sans faire quoi que ce soit, ça va refaire un regain de popularité et devenir un classique. Donc du coup, laissons tourner tout ça. $500, ça me paraît pas mal pour continuer le toit en pleine nuit. En pleine nuit. Parce que oui, il fait nuit dans le jeu. Et je vais bientôt terminer. Je vais terminer cet épisode pour terminer de boucher les trous. Voilà. Il reste plus que ces deux-là. Bah écoutez, c'est parfait. C'est juste parfait. Écoutez. Je vais terminer ça. Comme ceci. Putain, cette partie-là a besoin de pas mal de poutres. Comme vous pouvez le constater, effectivement. Cette partie a besoin de pas mal de poutres. Et de loutre. Poutre, la loutre. Je sais même pas pourquoi Bob Dylan il dit ça. Parce que ça vient de lui en fait, le poutre, la loutre. Je comprends pas pourquoi poutre, la loutre. Parce que ça rime. Escours, je deviens fou. Bref, du coup, voilà. De toute façon, c'est le déconfinement. Je vais retrouver de la sainteté psychologique, parce que c'est vrai que le confinement, ça m'a rendu un peu de barge ces temps-ci. La preuve, c'est que je me mets à faire des fans de merde. Bref, donc du coup. Ben, voilà, un petit peu comme si, tac, ouais, on va le faire comme ça, ça paraît moche comme ça, mais écoutez, c'est plutôt pas mal, pour des trucs qui de base servaient pour le sol, hein. Je veux dire, ces pièces, rappelez-vous dans l'épisode précédent, ces pièces-là, qu'est-ce que c'est que ces conneries, à cause de la plante qui fait ça?
You fucking kidding me? La plantie. Ah oui. La plantie fait chier. D'accord. Non mais tout à fait. Pourquoi? Je demande à savoir pourquoi. Très bien. Pour la plante qui m'empêche de faire un truc à la surface. Bon, écoutez, très bien, soit la plante. Monsieur la plante. La plantée. Parce que t'es un plant. Mais t'es pas le plant numéro T, t'es juste un planté. Voilà. t'es planté, t'es complètement planté. Bref. Du coup, on va faire comme ça. Et du coup, ben, je vais encore faire la. Du coup, on a tout bouché, tous les trous. Mais ce n'est pas fini. Non. Ce n'est pas fini. Déjà, il y a ce côté-là. Il y a ce côté-là aussi à montrer. Parce qu'il faut que ça ait un peu de cohérence avec son toit. Et c'est là la partie, c'est la cohérence. Justement. De la cohérence. Comme ceci. De ce côté-là du toit. Tac. Je reprends. Je repose. Tac. Comme ceci. Voilà. Comme ceci. C'est parfait, mais... Regardez, les trucs, en fait, quand j'ai bouché les toits, ça fait une forme, ça fait une texture qui n'a rien à voir, en fait, avec la toiture. Et pour cause, c'est que cette toiture, en fait, n'est pas très réaliste. Pourquoi? Parce que cette toiture, comme vous pouvez voir, elle n'a que des tuiles. Or, dans la réalité des choses, les toitures n'ont pas que des tuiles, ils ont aussi... des choses qui permettent de voir comme quoi, oui, c'est bien un toit, mais c'est une toit avec quand même des bordures. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Ben, avec l'objet qui m'a servi en fait de bouger les trous, je vais faire en fait ces fameuses bordures, comme ceci. Voilà, je les reprends un par un, je les replace là où ils doivent être bien placés. De manière à ce que, en fait, voilà, ce qui m'a servi de tout, en fait, c'était les bordures des toits, vous voyez, qui se succèdent un par un. Vous voyez ce que ça donne, regardez quand même, la différence. On préfère plus avoir un toit qui est à droite qu'un toit qui est à gauche. Qu'on soit bien d'accord. Donc du coup, ce truc-là, eh ben, écoutez... Je vais faire de la continuité, ça va durer moins longtemps du coup cette fois-ci. Et bien dans le prochain épisode, et en plus de faire chaque bordure du côté intérieur justement du cercle, je mettrai aussi d'autres décorations de toit, mais aussi peut-être enfin des murs qui ne veulent absolument rien dire. Regardez, ça ressemble à rien l'extérieur. Je veux dire, quel genre de parc d'attraction je serais si je ne montrerais pas que en fait on parcourt la cour intérieure d'une maison ronde en forme de donut hantée. Eh ben, écoutez, ceci, ce sera du coup pour le prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la commenter, à la partager à vos potos. Et si vous êtes intéressé par d'autres de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et enclencher la cloche de notification. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Bande de PGM.